Le conseil du comité FMC Diri est déjà à pied d'œuvre pour les échéances électorales à venir. Ses dirigeants ont consacré une bonne partie de leur échange de ce 17 août à ce sujet, qu'ils abordent d'ailleurs avec zèle et assurance. Dans notre agenda, nous avions pas mal des activités que nous envisageons dans tous les départements que nous avions ici dans notre organisation à Diri. Nous voulons également commencer déjà à travailler sur les échéances qui pointent à l'horizon de 2026 et 2027 afin de donner une victoire écrasante à notre parti. Voilà pourquoi nous sommes réunis ici pour préparer déjà la base d'être à la hauteur et d'être prêts. Cette réunion a également servi de tremplin pour la force montante congolaise au comité de Diri de revenir sur le message du président de la République, Denis Sassou Nguesso, à l'occasion de la souveraineté internationale du Congo. Le chef de l'État congolais avait dans son allocution du 14 août appelé la jeunesse congolaise à plus de responsabilités. Les jeunes de Diri ont salué l'adresse du chef de l'État. Le président de la République, c'est pour la énième fois qu'il ne cesse de marteler sur la jeunesse. Le 14 août, le président de la République nous rappelle et nous interpelle à avoir un sens de responsabilité afin d'être à la hauteur pour assurer la relève de demain, parce que la jeunesse est le vecteur du développement. Si la jeunesse n'est pas éduquée, une jeunesse, si elle n'est pas bien formée auprès des aînés, je pense que nous ne serons pas en mesure d'assurer tel que nos aînés ont fait depuis plus de 40 ans jusqu'à aujourd'hui. C'est donc une réunion qui aura permis aux sections qui comptent ce comité d'afficher aussi leur détermination de travailler de commun accord avec la hiérarchie afin de parvenir aux bons résultats. Nous sommes très heureux parce qu'aujourd'hui, le conseil du comité FMC Diri nous a fait réunion. C'est une responsabilité qui nous est donnée, c'est de travailler ensemble afin de faire vivre notre comité. Les questions ont été données et pour que la force montante congolaise, qui est l'une des lignes catégoriques du Parti congolais du travail, afin de travailler sur des questions qui minent notre société. Nous sommes réunis avec le comité Diri ainsi que les présidents de section pour en parler et pour faire évoluer en fait notre organisation. Du tour d'horizon sur le fonctionnement de cette union catégorielle au niveau de l'arrondissement 9 à l'adresse de Denis Sassou Nguesso aux Congolais en passant par les élections présidentielles de 2026 et aux législatives de 2027, la FMC Diri n'est pas passée par quatre chemins pour témoigner de sa fidélité aux objectifs assignés par le sommet. Et le sommet, c'est le Parti congolais du travail.